Bah, salut tout le monde, on se retrouve au bord de la patinoire. Donc l'étang est à moitié gelé, enfin sur une bonne moitié gelé. Ça caille vraiment, il a fait moins 5 cette nuit, donc là c'est tout à moitié gelé. En plus le niveau de l'eau a pas mal monté, ce qui fait que les bordures sont bien gelées. Ça va encore être une pêche compliquée, mais c'est pas grave, je vous emmène avec moi comme d'hab. On va placer trois cannes et puis on va essayer de trouver un poisson actif. Ça va pas être évident. Mais on va faire tout ce qu'il faut pour, en tout cas. Voilà, allez, je vais m'installer. Ça caille à mort, franchement, j'ai super froid. Je vais me dépêcher de m'installer pour me réchauffer les mains parce que là, j'ai déjà joué un peu du bateau. Vous allez voir. Et puis je vais poster trois cannes en espérant que ça fonde un peu plus avec le soleil qui arrive. Allez, c'est parti! Bon, bah on va jouer du brise-glace, hein. Va se faire un peu de place. Bon, voilà, du coup, j'ai dégagé avec le bateau amorceur devant moi. La glace n'était pas très épaisse. Donc, j'ai dégagé pour pouvoir tirer les cannes. Je pense qu'après, il y a un beau soleil qui arrive. Donc, je pense que ça va faire fondre un peu les bordures. Et là, ça va que c'est l'eau a monté. Donc, les bordures sont bien gelées. On peut voir que c'est frisquette hein, ce matin. Allez, je vais poser les trois cannes. Et puis, on va essayer de toucher un fiche, quoi. Bon, voilà, je vais mettre des toutes petites bouchées comme ça, hein. Il fait super froid. Le poisson ne doit pas être actif. Donc là, je vais essayer de trouver un poisson vraiment qui mange. Donc là, c'est un stick de billes broyées, quelques billes dedans, et puis une poignée de billes autour, et basta, quoi. C'est vraiment la recherche d'un poisson actif, quoi. Bon, bah là, on est sur... Une bille au Monster Crab avec un stick de bille broyée et puis du liquide de krill. Je vais aller placer ça. Je vais rajouter une poignée de billes et puis ça roule. Bon, troisième canne. Ah, je suis gelé complet. Chenvi et Moïse Doux. On va voir ce que ça va donner. Il fait quand même super froid, quoi. Bon, je vais me préparer à manger. Rien d'exceptionnel pour ce midi. Une petite. Des pâtes chinoises. Je vais mettre pas mal d'eau. Ça fait comme une petite soupe. Quand il fait froid comme ça, c'est sympa. Ça réchauffe bien. C'est facile à faire. Je fais bouillir de l'eau. C'est quelque chose que je prends assez souvent. Pour aller à la pêche, surtout que ça se conserve super bien, quoi. Ça craint pas le froid, ça craint pas le chaud, ça craint pas l'humidité et tout. Tu mets ça dans un sac, t'es peinard. Ça, c'est vraiment bien pour partir en session plusieurs jours. En plein été, là, quand il fait cagnard, bah, c'est pas grave, ça craint rien, quoi. Là, je vais faire bouillir l'eau, bien bouillir pour que ça soit bien chaud. Mettre un peu plus d'eau que la normale, que ça fasse une petite soupe, quoi. Et puis ça va bien me réchauffer parce que là, putain, ça caille, hein. Et puis bon, au niveau pêche, bah c'est la misère, hein, forcément, hein, il n'y a pas du tout d'activité. J'ai le vent en pleine poire, là, donc ça caille vraiment fort, quoi. Même s'il y a du soleil, franchement, avec le vent, c'est dommage parce qu'il n'y aurait pas de vent, on serait vraiment top, quoi. Mais bon, allez, je vais me réchauffer. Bon, voilà, on se retrouve pour clôturer la vidéo.
Donc le soleil se couche, je peux vous dire que les températures sont en train de baisser, ça caille, mais quelque chose de terrible quoi. Il a fait froid toute la journée, mais là avec le soleil qui se couche, c'est encore pire. Donc bon bah voilà, hein, pas d'activité. C'était sûr, hein, c'était déjà assez compliqué comme ça. On a les eaux qui sont teintées, les eaux qui ont monté, là qui sont en train de descendre. La moitié de l'étang qui est gelée. Bon voilà, c'était déjà compliqué déjà à la base. J'ai l'impression de jouer une partie de Scrabble avec que des W quoi. Donc bon voilà, c'était pas facile, c'était pas gagné, mais on a essayé quand même malgré tout. Ça se tentait. Il faut juste réussir à trouver un poisson qui soit en activité alimentaire. Le problème c'est que là, de ce temps-là, ils sont plutôt recroquevillés. Il faut réussir à les trouver. J'avais ciblé la profondeur. Je me suis dit qu'ils étaient peut-être au plus profond de l'étang. Peut-être que c'est là où l'endroit où la température est la plus chaude. Bon, ça n'a pas payé. C'est pas grave, on retentera le coup. Hein. Moi, je range pas les cannes de l'année, donc c'est pas grave. Mais c'est vrai que là, ça commence à faire un petit moment qu'on n'a pas fait de poisson. La fin d'année a été super compliquée. Et là, les conditions de 2022 commencent sur les chapeaux de roue. Hein. C'est quand même assez chaud patate, quoi. Bon, allez, je vais remballer et puis je vais aller me mettre au chaud parce que là, ce coup-là, j'ai vraiment froid. Allez, à la prochaine! Thank you.